Donc, encore une fois, merci à tous d'être venus si nombreux. Merci d'abord à Domenico Losurdo et à Bernard Bourgeois d'être parmi nous ce soir. Et comme d'habitude, foin de présentation, du moins de ma part, je laisse le soin à l'éditeur français de Domenico Losurdo, alias Émeric Monville. Je lui laisse le soin de faire une petite présentation de l'événement exceptionnel auquel nous avons le plaisir d'assister ce soir. Oui, événement exceptionnel à plus d'un titre, parce que précisément ce titre, La lutte des classes, est sans doute un des couronnements possibles de l'œuvre de Domenico Losurdo. Bon, bien sûr, l'œuvre n'est bien sûr pas tarie, puisqu'il y a encore de nombreux livres à traduire. Hein. On pense notamment à Un monde sans guerre, La gauche absente, hein, qui sont des livres qui sont aussi parus récemment en Italie. La lutte des classes a un caractère effectivement tout à fait symptomatique et résume bien l'ensemble du parcours intellectuel de Domenico Losurdo, à la fois au point de vue philosophique et historique, de théorie des idées, puisque le concept de lutte des classes là, a été étudié dans la logique concrète de l'objet concret, moment historique après moment historique. C'est-à-dire c'est à la fois un livre une histoire politique et philosophique, c'est-à-dire le concept de lutte des classes est étudié à travers le temps, dans ces différents moments moments politiques, que ce soit chez Lénine, chez les Chinois, quel concept ça pose quel problème cela pose aujourd'hui. Un des grands concepts finalement qui résumerait peut-être le livre, c'est le fait de dire n'oubliez pas. On sait que le président Mao disait n'oubliez pas la lutte des classes. Losurdo dirait n'oubliez pas la lutte des classes internationale, puisque c'est un des leitmotifs du livre est de dire que la lutte des classes la plus importante, c'est la lutte entre les peuples contre l'impérialisme, notamment. Et bien sûr, ne pas oublier, effectivement, là où la lutte des classes va se nicher dans d'autres rapports, par exemple des rapports de genre, par exemple, des rapports entre les hommes et les femmes, entre d'autres types de lutte des classes. Et Losurdo insiste sur la nécessité aussi de ne pas réduire la lutte des classes à un vulgaire populisme, une lutte entre riches et pauvres, justement. Il montre à quel point, justement, ce concept doit être étudié dans toute la richesse de son articulation. Alors demain, il y aura une présentation générale de ce livre. Je commence par demain, puisque nous aurons 2 heures à la Sorbonne, spécifiquement sur le livre lui-même. Et aujourd'hui, puisque Domenico Losurdo nous fait le plaisir et l'honneur d'être à Paris, on trouvait qu'il était absolument bienvenu d'inviter Bernard Bourgeois. On le remercie beaucoup de venir ici. Merci. Ça fait revivre aussi l'esprit de cette société Yole Marx dont on parlait il n'y a pas longtemps, qui pour l'instant est en sommeil mais ne demande qu'à renaître, hein, puisque Bernard Bourgeois et Domenico Losurdo étaient les piliers porteurs de cette association. Voilà. Et effectivement, voilà quoi de mieux que il ne s'agit pas simplement de faire dialoguer Hegel et Marx, puisque Domenico Losurdo est aussi un hegelien, hein, je tiens évidemment à le préciser. Je ne crois pas que ce soit abusif de dire que Bernard Bourgeois est sans doute le meilleur spécialiste de Hegel en France et Domenico Losurdo le meilleur spécialiste de Hegel en Italie. Donc effectivement, sur un sujet conflictuel par excellence, qui est la notion de lutte de classe, c'est placer ça sous les auspices de Hegel, c'est pas du tout abusif. Qui lance le... Vous me désignez. Non, je vous regarde simplement, c'est un regard interrogateur. Très obéissant. Oui, alors chacun sait que je suis un hegelien de droite. Non, je ne sais pas. Je vais donc jouer le rôle du méchant. Oui. J'ai mis à gauche, remarque. Enfin, vous êtes à la droite de Losurdo. Voilà. Bon. Oui, oui. Si vous voulez... Je crois qu'on peut s'interroger, puisqu'on le fait, et qu'on doit même s'interroger aujourd'hui sur la signification, et d'abord l'actualité, la signification de l'expression « lutte des classes ». D'abord, vous avez vous-même tout à l'heure évoqué un concurrent, parmi d'autres, de la lutte des classes dans les grands conflits contemporains. Vous avez parlé de conflits où les peuples étaient impliqués, mais semble-t-il à un niveau d'abord politique. Chacun sait que la notion de classe, même et surtout chez Marx, n'a pas qu'une dimension sociale, mais que l'activité des classes
comporte un rapport important au politique lui-même. Mais enfin, il semble qu'effectivement, à notre époque, on puisse s'interroger sur l'importance de la lutte des classes, alors que, apparemment, dans le phénomène, un grand nombre de conflits qui mobilisent des peuples semblent les mobiliser dans un autre élément que l'élément originairement social. Et puis la deuxième, alors c'est la première question que je poserai à Domenico Losurdo, et s'il publie aujourd'hui un livre sur la lutte des classes, c'est bien que lui-même s'interroge sur la pertinence, je sais quelle est sa réponse, je le devine, sur la pertinence de ce phénomène à notre époque. Et puis on peut s'interroger aussi, oui, lutte des classes, il y a d'abord lutte, sur les classes elles-mêmes. Est-ce que la notion de classe reste une notion pertinente pour comprendre la vie des peuples aujourd'hui? Et si oui, est-ce que cette notion de classe, qui serait toujours pertinente, garde la même signification que celle qu'elle avait au XIXe et même au XXe siècle? Et ce sont donc, par conséquent, ces deux sortes de questions très simples et évidentes que, sur lesquelles j'aimerais entendre les réponses de Domenico Losurdo. Qu'en est-il des classes aujourd'hui et qu'en est-il dans leur situation d'être concurrencés par d'autres, qu'en est-il des classes elles-mêmes? Voilà les questions simplistes sur lesquelles j'aimerais être éclairé. Donc, les luttes de classe aujourd'hui. Lutte, quelle lutte, parmi d'autres luttes, et deuxièmement, les classes, mais que sont-elles? Je relisais, parce que j'aime bien lire Marx, mais j'aime bien lire Proudhon aussi. Ils ont correspondu, ils ont bataillé. Et je trouve que la lecture de Proudhon, même si je me place à un point de vue sûrement formel et littéraire, si, la lecture de Proudhon est une lecture pour moi stimulante. Et j'ai d'ailleurs bien regretté qu'on ait fêté le bicentenaire de Proudhon en France il y a quelques années. Le seul lieu où on l'a fêté, c'est quand même un comble. Je suis allé faire une conférence à cette occasion à La Roche-sur-Yon. C'est à l'Institut catholique de l'Ouest. L'anniversaire de Proudhon a été fêté en France, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, à l'Institut catholique de l'Ouest. J'avais trouvé ça curieux, parce que je considère que Proudhon n'est pas inutile dans la compréhension de l'actualité. Je pense en particulier à ce thème proudhonien selon lequel les révolutions ne sont pas le fait des pauvres seulement, ni même d'abord, mais elles sont toujours le fait des classes moyennes. Quand le juste milieu, dit-il, est froissé dans les considérations sur les révolutions, quand le juste milieu, donc, les classes moyennes, est froissé, alors les révolutions naissent. Ce qui, je vide mon sac d'un seul coup, ce qui pourrait signifier que si Proudhon a raison, les seules révolutions qui naissent sont faites de la classe moyenne, et la classe moyenne les limite toujours quand elle dépasse. Elle les ramène dans de justes limites, ce qui signifierait, vous dire, que les seules révolutions qui réussissent sont celles qui n'en sont pas vraiment.
C'est la conclusion. Oui, ce qui montre bien que Proudhon était devenu, sur la fin de sa vie, comme d'ailleurs Marx lui a signifié, oui, un penseur petit bourgeois. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a une vigueur de Proudhon, puis il en est... Au début. Oui. Oh, bah, même si il a été un peu plus dogmatique, oui. Non, je suis devenu tout début. Mais enfin, j'aime assez pratiquer, bon, le dialogue Hegel-Marx, bien sûr, mais Marx-Proudhon, pour moi, c'est pas désagréable. Dites, voilà. Très bien, merci. Mon livre parle de Proudhon aussi, d'une façon différente, bien sûr. Proudhon est très bien présent dans mon livre. Et je pense que vous avez posé les questions centrales. Je ne suis pas surpris, mais je suis heureux de ce fait. Et je pense que ce livre donne une lecture de la lutte de classe chez Marx et Engels tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle. Et peut-être pour commencer, je voudrais citer Mao Zedong. Mao Zedong, dans l'année 1938, la Chine était envahie par les Japonais, par l'impérialisme japonais. L'impérialisme japonais voulait faire du peuple chinois un peuple colonial esclave, et Mao dit dans cette circonstance, la lutte de classe en Chine aujourd'hui est identique à la lutte nationale contre l'impérialisme japonais. Alors, identité. Mao Zedong parle d'identité dans cette circonstance concrète entre lutte de classe et lutte nationale contre l'impérialisme et le colonialisme japonais. Alors, la première question que nous pouvons poser, Mao n'a rien compris de Marx, de la lutte de classe de Marx? Non, je dis que Mao avait très bien compris Marx, parce que Marx lui-même, lorsqu'il parle, par exemple, de l'Irlande, qui était la colonie exploitée par l'Angleterre en Europe, Marx, en parlant de l'Irlande, dit que dans le cas de l'Irlande, la question sociale se pose, question sociale entre guillemets, se pose en tant que question nationale. C'est-à-dire, la thèse de Mao, qui n'avait pas lu ce texte de Marx, était déjà anticipée par Marx. Dans le cas de l'Irlande, le peuple irlandais était systématiquement exproprié, déporté et même assassiné par le colonialisme anglais. Dans ce cas, c'est Marx lui-même qui dit que la question sociale est question nationale. Et chez Marx, nous pouvons lire beaucoup d'affirmations qui, en général, ne sont pas prises en considération par les interprétations courantes. Par exemple, dans le discours qu'il fait à Bruxelles, dans l'année même du manifeste du Parti communiste, c'est le discours pour le free trade, sur le free trade, Marx dit: ceux qui n'ont pas compris l'exploitation d'une nation par une autre nation, avec le colonialisme, ne sont pas en mesure de comprendre l'exploitation d'une classe par une autre classe. Alors, c'est-à-dire, chez Marx, c'est mon interprétation, et je sais que cette interprétation va provoquer des débats, je l'espère, même des polémiques. Mais chez Marx, la lutte de classe n'a pas une seule forme. Dans le manifeste du Parti communiste, on parle toujours de Klassenkämpfe, au pluriel. Lutte des classes, lutte au pluriel, lutte des classes. Et cette lutte, ce pluriel n'est pas la répétition
éternel de l'identique. Non, il y a différentes formes de lutte de classe. C'est Marx lui-même à le dire. Je répète que est essentiel pour lui de comprendre la lutte de classe qui se manifeste avec l'exploitation d'une nation par l'autre. Peut-être est bien connu l'affirmation de Marx dans les années 50, lorsqu'il parle de la Chine, de l'Inde, c'est-à-dire des colonies de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Il y a une affirmation mémorable et que je considère magnifique, où il dit que la barbarie de la société bourgeoise, qui dans la métropole capitaliste a des formes, des formes élégantes, dans les colonies si manifeste dans toute sa barbarie répugnante. C'est une citation de Marx. Et ce serait étrange si nous considérons lutte de classe seulement la lutte contre la barbarie de quelque façon cachée dans la métropole capitaliste et pas lutte de classe, la lutte des peuples coloniaux contre la barbarie dans toute sa nudité répugnante, pour citer encore une fois Marx. Peut-être je fais un petit exemple. Oui, oui. Moi, une question. Non, il y a beaucoup de questions, mais il y en aura une particulière. Je crois, avec la Révolution française, nous voyons la classe ouvrière, par exemple, faire des grèves pour l'amélioration des conditions matérielles de vie, pour une augmentation du salaire, etc. C'est une lutte de classe, bien sûr. Et la lutte que les esclaves noirs à Saint-Domingue ont fait, Saint-Domingue, Haïti après, ont fait pour abolir l'esclavage colonial, et après, contre Napoléon, pour éviter de devenir à nouveau des esclaves coloniaux, n'était pas une lutte de classe. Ce serait absurde. C'était une lutte de classe. Si il est lutte de classe, la lutte pour améliorer un petit peu ce que Marx appelle l'esclavage salarié, bien sûr, et lutte de classe encore de plus, la lutte pour abolir l'esclavage en tant que tel. Je peux. Non. Bon, merci d'abord. Vos analyses ont toujours une vigueur qui est stimulante, et là vous avez été tout à fait percutant. Je vais vous poser une question. Vous avez employé plusieurs fois le mot national. Dans le contexte essentiellement international, et plus précisément le contexte international de la colonisation. Pourquoi n'avez-vous pas envisagé, mais vous allez peut-être le faire, l'élément dans lequel se situe le national et l'international, c'est-à-dire l'élément politique? Parce que, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que pour Marx, la classe n'est ce qu'elle est, pour une part, que dans la mesure où elle ne reste pas simplement une réalité sociale, mais intervient au niveau proprement politique. Et au niveau de la politique intérieure, et non pas directement et seulement au niveau de la politique extérieure, sous la forme plus précise de la politique de la colonisation. Je voudrais savoir pourquoi vous restreignez le rôle du politique à son aspect national et plus précisément international dans la vie des classes, en leur combat. Non, mon opinion, c'est que la politique joue toujours un rôle très important. L'interprétation que j'ai donnée
je dis que la lutte de classe chez Marx n'a pas seulement une signification économique. C'est ça mon point de vue. N'a jamais un point de vue exclusivement économique. Dans ce cas, mon Marx est encore une fois très hegelien, parce que je dis que les luttes de classe sont toujours même des luttes pour la reconnaissance. Et les luttes pour la reconnaissance sont des luttes politiques, pas seulement des luttes économiques. Par exemple, les peuples coloniaux étaient déhumanisés et étaient même réifiés, même le prolétariat était déhumanisé. Si nous prenons par exemple Edmund Burke, parle du prolétariat comme instrumentum vocale. Il reprend une tradition ancienne, instrumentum vocale, c'est-à-dire comme l'esclave dans l'Antiquité classique. Mais le prolétariat n'était pas proprement homme. Si nous lisons même Sieyès, il parle des salariés comme, je cite, machine bipède, et entre guillemets, et pas seulement dans une seule occasion. Sieyès, qui en polémiquant contre l'aristocratie, dit que l'aristocratie pense d'être d'une espèce supérieure, Sieyès, qui contre l'aristocratie fait valoir le concept général et universel d'homme, lorsqu'il parle des travailleurs salariés, il fait lui-même une déhumanisation. Il parle comme des machines bipèdes. Alors, toutes les luttes de classe, dans leur forme plus aiguë, sont des luttes pour la reconnaissance. Et peut-être je dois ajouter une troisième chose qui va vous surprendre, mais peut-être c'est l'arbitraire de mon interprétation. Mais je parle d'une troisième forme de lutte de classe. Dans ce cas, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si nous lisons Engels, dans son texte sur l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, mais il fait référence à l'idéologie allemande, il dit, Engels, une chose surprenante, que la première forme d'oppression de classe, entre guillemets, est l'oppression que l'homme a exercée sur la femme, en réduisant la femme dans une condition d'esclavage domestique et de ségrégation domestique. C'est-à-dire, pour Engels, c'était une forme de lutte de classe, même l'oppression des femmes, et la lutte bien sûr des femmes pour dépasser, pour éliminer cette oppression. Alors, dans le cadre conceptuel que j'ai essayé d'établir, nous avons trois formes de lutte de classe. La lutte de classe classique, la lutte de classe sur laquelle on a toujours parlé, la lutte de classe entre prolétariat et bourgeoisie, mais il y a la lutte de classe entre peuples coloniaux opprimés et exploiteurs colonialistes et impérialistes. Et il y a même une troisième forme de lutte de classe dont les protagonistes pour l'émancipation sont les femmes. Il n'y a pas de trop surprenant dans tout ça. Nous avons trois formes de division du travail, de division exploitée du travail, et cette division exploitée du travail peut se manifester au niveau international, au niveau national et même dans la famille. Alors, il y a trois formes. Et je dis que la grandeur de Marx, d'Engels et de Lénine est surtout d'avoir compris l'unité possible de ces trois formes. Et alors, je dis quelque chose de prudent, quelque chose de critique, je l'écris dans le livre. Mais... Alors,
Proudhon a compris, je ne dis pas qu'il a, il a compris, bien sûr, la lutte de classe entre classe exploitée et classe exploitée. Mais lorsqu'il parle des femmes, par exemple, de la lutte d'émancipation des femmes, bien sûr, il parle de pornocratie. Il a écrit un livre avec ce titre. Les premiers mouvements féministes étaient la pornocratie. Et lorsqu'il parle même des luttes nationales, par exemple des Polonais, même des Italiens, mais je ne vais pas parler ici de l'Italie. Alors, lorsqu'il parle de la lutte des Polonais ou même des Irlandais, il fait de l'ironie. Et Marx commente de cette façon, c'est le cynisme d'un crétin. Marx n'était pas si élégant dans ce cas, mais c'est-à-dire que Marx attribue beaucoup, beaucoup d'importance à la lutte de classe qui se manifeste même comme lutte contre l'oppression nationale. Par ailleurs, nous pouvons faire une considération que je dirais statistique. Si nous prenons les œuvres de Marx et d'Engels, une partie considérable, très considérable de ces œuvres sont dédiées à la lutte du peuple irlandais, du peuple polonais et des colonies. Alors, dans ce cas, Marx et Engels ont eu une distraction, ont oublié la lutte de classe? Non. Mais je dois ajouter que cette interprétation que j'ai donnée de la lutte de classe, bien sûr, a comme fondement les textes de Marx et Engels, mais Marx et Engels n'ont pas eu le temps peut-être de faire une réflexion systématique sur la lutte de classe dont ils ont parlé beaucoup. Non, je trouve que votre démarche là est une fois de plus importante et salutaire. Si vous voulez, Marx n'oublie jamais lorsqu'il étudie un phénomène ou un rapport social parmi d'autres, que l'homme et les hommes constituent une totalité et que tout l'homme est présent en chacune de ses activités, que ce soit dans un régime de rareté ou dans le régime futur, vous savez, où il célèbre l'homme qui pourra le matin faire son travail en usine, l'après-midi aller cultiver son jardin, le soir avant dîner lire de la philosophie, c'est après dîner faire de la musique. C'est un trait important d'ailleurs de tous les grands penseurs. Ils ne procèdent pas par abstraction, et lorsqu'ils envisagent un aspect de l'existence humaine ou de la coexistence des hommes, ça ne signifie pas qu'il ne considère pas que l'homme est présent totalement dans chacune de ses activités. Alors, je reviens... oui, à propos de Proudhon, vous évoquiez la pornocratie. Le thème des relations entre l'homme et la femme chez Proudhon. Pour Proudhon, c'est vrai, la réalité fondamentale n'est ni l'homme ni la femme. C'est le couple conjugal, dans lequel il y a réciprocité, mais entre des éléments qui ont un statut différent. Il dit bien que, si je puis dire ontologiquement, l'homme est supérieur à la femme. Mais dans le comportement de la femme, et en particulier étant donné ses qualités éminentes, sa beauté, etc., c'est finalement la femme qui, souvent, est la maîtresse du jeu. Mais Proudhon ajoute que même dans ce cas-là, c'est en tant qu'elle est portée par l'homme. Par conséquent, il y a chez Proudhon un inégalitarisme sexuel ou sexué sur lequel vous avez eu tout à fait raison d'insister. Alors, je vous entends bien, le rôle du national, de l'international est fondamental, mais pour ma part, j'insisterai sur le fait que dans l'élément de la politique intérieure, dans l'élément proprement politique,
Il faut reconnaître, même si on s'intéresse à l'économie, si on veut comprendre l'économie, il faut toujours reconnaître la présence importante du politique dans toutes les relations sociales. Et que, en particulier, la classe elle-même ne se constituerait pas s'il n'y avait pas l'élément politique. Ce qui apparaît souvent comme étant fondamentalement social n'est pas pour autant non politique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous dites est nouveau, c'est vigoureux. J'aimerais ajouter simplement que le politique ne s'identifie pas, ne se réduit pas au national, à l'international, mais qu'en sa structuration interne en tant que proprement politique, en tant que les citoyens ont des activités essentielles, il a un rôle fondamental, y compris au niveau des relations proprement économiques. Enfin, nous sommes d'accord sur ce point important, qu'il ne faut pas considérer Marx comme un penseur abstrait, Hegel ne l'est pas non plus, ce sont des penseurs qui s'installe toujours dans la totalité et qui s'efforce toujours de totaliser les situations pour les comprendre. De ce point de vue-là, Sartre n'a rien inventé. Et par conséquent, je crois qu'il faut... il a rendu grâce à son maître Marx de ce côté-là. Oui. À plusieurs reprises. Mais enfin, le dernier Sartre. Je ne considère pas la critique de la raison dialectique comme un ouvrage qui est essentiel pour une meilleure compréhension et pratique du marxisme. Sartre a voulu inscrire ses recherches dans la philosophie essentielle du temps présent, qui était pour lui le marxisme. Il le dit, mais je ne considère pas, pour ce qui me concerne, que son apport, de ce point de vue-là, est un apport décisif. Je pense qu'on peut être d'accord. Je vais rendre tout de suite la parole à Dominique Colosso. Je voulais, mais sur la petite controverse Proudhon-Marx, je vais vous redonner ce petit texte que vous devez connaître, d'ailleurs l'un et l'autre, oui. Peut-être, mais peut-être pas. C'est la fameuse lettre que Proudhon a adressée en 1865 à un éditeur qui envisageait d'éditer Proudhon, un éditeur allemand. Oui. Vous lirez l'ensemble qui est très cocasse. Mais il y a la lettre de Marx. Oui, mais l'ensemble, vous la connaissez. Il y a ce passage sur le côté hegélien, le problème des rapports de Proudhon avec Hegel. Juste une phrase, rassurez-vous. Oui. Pendant mon séjour à Paris en 1844, j'entrais en relation personnelle avec Proudhon. Je rappelle cette circonstance parce que, ça c'est l'humour, c'est un pamphlet d'une cruauté terrible, hein. C'est l'humour de Marx en plein. Hein. Pendant mon séjour à Paris en 1844, j'entrais en relation personnelle avec Proudhon. Je rappelle cette circonstance parce que jusqu'à un certain point, je suis responsable de sa « sophistication », entre guillemets, mot qu'emploient les Anglais pour désigner la falsification d'une marchandise. Dans de longues discussions, souvent prolongées toute la nuit, je l'infectais à son grand préjudice, d'hégélianisme qu'il ne pouvait pas étudier à fond, ne sachant pas l'allemand. Ce que j'avais commencé, M. Karl Grune, après mon expulsion de France, le continua. Et encore, ce professeur de philosophie allemande avait sur moi cet avantage de ne rien entendre à ce qu'il enseignait. Oui, oui. Ça, c'est l'humour de Marx assez violent. Si je peux me permettre à l'usage des lecteurs de ce livre, le débat n'est pas spécifiquement entre Marx et Proudhon, mais aussi à l'intérieur du marxisme. C'est-à-dire que le fait d'avoir oublié la question nationale chez les marxistes, mais ce qui revient souvent sous la plume de Domenico Le Sourdo, c'est par exemple, je ne sais pas, c'est Rosa Luxembourg, ne comprenons pas... que les peuples slaves sont rentrés aussi en révolte, qui font partie exactement de l'histoire. Et finalement, c'est Le Sourdo montre peut-être l'importance du marxisme-léninisme dans la compréhension de la question nationale comme question sociale, parce que les deux sont imbriqués. Effectivement, quand les armées nazies pénètrent en URSS, c'est pour réduire les soviétiques à l'état d'esclavage. Donc la question, le fait de leur nier la nation, c'est les ancrer dans une division du travail international. Donc, sur la question nationale et la question sociale sont complètement liées, il me semble. Et il est clair que le Sourdo porte le fer à l'intérieur de la tradition marxiste aussi. Enfin, peut-être il va pouvoir s'éclairer dessus. Proudhon a moins bien compris Hegel que Marx, que Marx n'a compris Hegel. Proudhon s'agenouille devant Hegel, le titan de l'esprit, mais il n'a pas bien compris. Et il a refusé la notion de synthèse pour en rester à la réciprocité, à l'interaction, c'est-à-dire à ce qui est la base
pour l'anarchisme, comme pour le sociétalisme actuel, la réciprocité. Ce que vous nous avez parfaitement bien expliqué il y a 15 jours. Mais nous rendons la parole à Domenico Lesordo. Écoutez avec attention et plaisir. Non, je suis tout à fait d'accord d'abord sur Sartre. Je n'aime pas la critique de la raison dialectique. Si nous lisons la critique de la raison dialectique, il donne une interprétation économiste du conflit social, politique et social. Il parle du concept de rareté. La rareté explique tout. Ce n'est pas mon opinion, bien sûr, je ne suis rien par rapport à Sartre, mais je ne suis pas convaincu que la rareté explique tout. Oui, c'est vrai que c'est ça son point. C'est une interprétation économiste. Alors, le premier accord. Le deuxième accord. La politique est toujours présente. Je dis que la lutte de classe est une... C'est moi que... Je cite moi-même, est une théorie générale du conflit social, du conflit politique social. Je répète, une théorie générale du conflit politique et social. Et c'est dans ce cas que nous pouvons voir toute la grandeur de Marx. Parce que quels étaient les conflits de son temps, après la Révolution française? D'un côté, nous avons les ouvriers, les masses populaires qui commencent à faire écouter leur voix. Et quelle était l'opinion de la philosophie libérale du temps? Par exemple, Bentham, ce philosophe anglais et libéral de gauche, parle des masses populaires, parle comme des sauvages. C'est un des maîtres à penser de Onfray. Oui, je ne suis pas coupable. Alors, l'autre question était bien sûr le premier mouvement féministe, et beaucoup de théoriciens de l'émancipation féminine déclarent avec raison qu'ils ne sont pas reconnus comme membres du genre humain. Et le troisième conflit était bien sûr l'expansion de l'Occident dans les colonies, et si nous lisons Tocqueville parle de cette expansion comme un dessein de la Providence. C'est une citation. Marx a parlé dans le cadre de l'expansion de l'Occident comme l'expansion de la bourgeoisie et qui, avec l'exploitation des colonies, crée le marché mondial, parle de la lutte de classe des femmes, parle de la lutte de classe des ouvriers et des masses et des masses populaires. C'est une théorie générale du conflit social. La politique joue toujours un rôle essentiel, mais je me permets de dire que ça c'est même oui, évident chez Marx. Si Marx, en tant qu'Hegelien, se pose la question de quelle façon une classe en soi, le prolétariat, peut devenir une classe pour soi, c'est-à-dire une classe qui a même la conscience de classe. C'est la terminologie et de Marx, mais bien sûr il répète la terminologie de Hegel. Et quelle est la réponse? Il dit que à ce passage de classe en soi à classe pour soi donne une contribution importante. Une partie de la bourgeoisie qui a compris le mouvement général de l'histoire et que par le fait qu'elle a compris, ou cette partie, cette fraction de la bourgeoisie a compris le processus historique, participe à la lutte même du prolétariat. C'est-à-dire, c'est une considération politique très importante, c'est-à-dire c'est la conscience politique qui joue même d'une fraction de la bourgeoisie, pas d'une fraction du prolétariat, qui joue un rôle très important pour le passage du prolétariat de classe en soi à classe pour soi. Et bien sûr, c'est ça le point de départ pour la théorie de Lénine dans Quoi faire,
lorsqu'il dit que le socialisme scientifique a été même le produit des intellectuels bourgeois. Alors, c'est-à-dire, l'économisme n'est pas chez Marx, chez beaucoup de marxistes, bien sûr, mais n'est pas chez Marx. Et oui, je suis, Aymeric l'a dit, je parle d'une contradiction entre les marxistes, entre marxisme et populisme. Le populisme, c'est cette vision de la lutte de classe, comme si la lutte de classe était toujours la lutte des pauvres contre les riches, n'est pas le point de vue de Marx. D'abord, nous devons considérer qu'il y a une lutte de classe même entre la bourgeoisie et la bourgeoisie. Je peux citer encore une fois le manifeste du Parti communiste. Il dit Marx, la bourgeoisie est en lutte contre l'aristocratie, c'est une lutte de classe, entre classe exploitée, et en lutte avec certaines fractions de la bourgeoisie qui sont arriérées par rapport au mouvement historique. Et la bourgeoisie est toujours en lutte, la bourgeoisie d'une nation contre les bourgeoisies d'autres nations. Et c'est pour ça que Marx, dans le manifeste du Parti communiste, dans un temps où Tocqueville pensait que les guerres étaient de quelque façon dépassées, Marx parle d'une guerre d'anéantissement entre les nations qui était après, comme tout le monde sait, la première guerre mondiale. Alors, je dis que la lecture courante de la lutte de classe chez Marx est une lecture qui n'a compris pas l'essentiel de Marx, parce que Marx, avec cette catégorie, veut expliquer l'histoire universelle. Il ne dit pas que la lutte de classe est seulement la lutte entre les pauvres et les riches, il dit, c'est le manifeste du Parti communiste, l'histoire est l'histoire des luttes des classes, au pluriel. Pour ce qui concerne le XXe siècle, je polémique entre autres, par exemple, contre un historien très bien connu, que je n'aime rien du tout, il s'appelle Niall Ferguson, peut-être est l'historien aujourd'hui plus célébré dans l'Occident libéral et surtout en Grande-Bretagne et dans les États-Unis. Il a écrit beaucoup, je crois que les livres ont été traduits même en français, Niall Ferguson s'appelle, et il dit, dans le XXe siècle, il dit, où est la lutte de classe? C'était la lutte des races, il parle de cette façon. Alors, dans mon livre, j'ai essayé de donner une interprétation différente. J'ai cité longuement Himmler. Himmler était, comme tout le monde sait, un des chefs du Troisième Reich. Et Himmler a écrit les soi-disant discours secrets, Geheimreden en allemand. Et il dit, sont les discours qu'il prononce avec les autres nazis. Il dit, maintenant, nous sommes entre nous, je peux parler tout franchement, nous avons besoin d'esclaves, esclaves entre guillemets. Nous avons besoin d'esclaves dans le sens précis du terme, parce que seulement de cette façon nous pouvons germaniser les territoires de l'Europe de l'Est, seulement de cette façon nous pouvons édifier l'empire colonial. Hitler lui-même, il dit que l'Europe de l'Est devait devenir les Indes germaniques, ou quelquefois parle de l'Europe de l'Est comme le Far West. Il fait référence même à l'expansion de la race blanche dans l'Ouest et le Far West. C'est-à-dire, Stalingrad a été une des plus grandes luttes de classe, c'est mon opinion dans ce livre, une des plus grandes luttes de classe, pas seulement
du XXe siècle, mais de l'histoire universelle. C'était le tentative d'affirmer la vitalité du colonialisme. Hitler, le Troisième Reich, voulait l'esclavage colonialiste et l'esclavage colonial dans le sens précis du terme. Et cette lutte contre l'esclavage colonial était une grande lutte de classe. De la même façon comme la lutte des esclaves noirs de Saint-Domingue Haïti a été une très grande lutte de classe. Oui, c'est ça, pour mon interprétation. Peut-être est nouvelle. Je vais vous repasser la parole parce que ça poursuit notre conclusion de l'autre soir, oui, sur le sens de l'histoire. Oui. Et où j'ai conclu en disant, mais alors, et la lutte de classe, est-ce que cette histoire universelle, dont, évidemment, je suis totalement, j'approuve totalement, je suis derrière Domenico Lezurdo dans le projet marxiste, et c'était donc là une pierre dans votre jardin à propos de la fin de l'histoire. Oui. Mais bon, je voudrais demander à Domenico, comment se fait-il pour vous que ce rôle du politique et de l'État, que Marx avait parfaitement vu, j'ai écrit autrefois un texte sur l'État selon Marx, ça m'avait frappé, pas seulement dans ses textes politiques, sur la politique française au XIXe siècle, mais dans des textes plus dogmatiques. Comment se fait-il que cette attention concrète de Marx au contenu de l'histoire, concrète parce qu'il ne fait pas abstraction du politique quand il parle de l'économique et du social, comment se fait-il que ça se soit perdu assez vite chez ceux qui se sont recommandés de lui, et par exemple en ce qui concerne les rapports entre l'État et la Révolution, chez Lénine, on ne trouve pas cette pensée concrète qui était présente chez Marx. Et puis je ne parle pas de ce qui s'est passé après, qui a montré que si on dégrade, si on rabaisse le politique, dans le cadre d'un socialisme abstrait, si on rabaisse le politique comme en histoire, tous les événements marquants impliquent comme leur élément, pas fondamental, mais décisif, l'activité politique. Il n'y a pas de mutation historique, de changement historique dans la vie des peuples, qui s'opère si le politique n'y constitue pas finalement, sans être peut-être ce qui est fondamental, je reprends une distinction qui a été faite entre le fondamental et le décisif, ça se trouve chez Lucien Seul justement, s'il n'y a pas une participation du politique qui est fondamentale. C'était ma première question, pourquoi est-ce que on a oublié cela et très vite dans la postérité marxiste. La postérité marxiste, peut-être, mais jusqu'à Domenico Lozurdo. Oui, alors. Je suis l'après-postérité. Voilà. Sur l'actualité, alors, parce qu'il faut aussi parler de l'actualité comme vous l'avez fait. Est-ce que les luttes de classe aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie les luttes de classe aujourd'hui, et dans leur contenu, et dans leur forme, qu'est-ce qui les différencie, si quelque chose les différencie, de ce qu'elles étaient au XIXe siècle, voire au XXe siècle. Est-ce qu'elles ont un autre contenu, s'agissant des classes et des rapports de classe, et quelles classes, et est-ce que ce contenu se déploie selon des modalités ou des formes différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans la lutte de classe à l'époque où nous sommes par rapport à ce qu'elle était dans les siècles précédents? Ou est-ce que c'est la même chose, la différence étant seulement apparente? L'apparence, dit Hegel, je suis Hegel, oui, ah ben, même un niveau de la réalité. Alors. Bien sûr, c'est partie du réel. Non, d'abord,
encore une fois, et je suis d'accord, pour la critique que nous devons faire même de Marx et de Lénine, oui. Mais nous devons ajouter que chez Marx, quelquefois il parle dans le communisme de disparition de l'État en tant que tel. Oui. D'autres fois, il parle de disparition de l'État dans l'actuel sens politique. Ce sont des formulations différentes. Oui. La première formulation est l'utopie abstraite. Oui. La seconde formulation est un futur ambitieux, mais n'est pas l'utopie abstraite. Dans l'idéologie allemande, nous pouvons voir, nous pouvons lire, je l'écris dans autre livre parce que je suis un graphomane, mais dans autre livre, j'ai remarqué que dans l'idéologie allemande, les deux auteurs, c'est-à-dire Marx et Engels, disent que l'État n'est pas seulement l'instrument de l'exploitation d'une classe sur les autres, et même l'assurance réciproque des membres de la classe dominante entre les individus de la classe dominante. Et bien sûr, nous pouvons dire pourquoi cette assurance réciproque entre les individus devrait disparaître et devenir superflue. N'a pas de sens. Même si nous avons une humanité unifiée, le problème de l'assurance, de la garantie réciproque entre les individus reste. Alors, nous devons relire Marx, et je pense que Hegel peut donner une contribution fondamentale et même décisive à la Marx Renaissance. C'est mon idée. Très bien. C'est mon idée. Alors, aujourd'hui, et après je vais ajouter quelque chose pour... Aujourd'hui, les formes de lutte de classe sont les mêmes, mais pas les modalités et les contenus. Par exemple, prenons la question du colonialisme et du néocolonialisme. Par exemple, bien sûr, le colonialisme classique est presque disparu. Je dis presque disparu parce que dans la Palestine, nous avons le colonialisme classique. Nous avons l'expropriation progressive des indigènes, dans ce cas sont les Palestiniens, alors nous avons une forme classique du colonialisme. Mais en général, nous pouvons parler de néocolonialisme. Lénine, d'une façon très simple, mais très claire et très géniale, a défini de cette façon la différence entre colonialisme et néocolonialisme. Il a dit, le colonialisme classique est l'annexion politique du pays ou du peuple opprimé. Le néocolonialisme est l'annexion économique et avec d'autres méthodes. Le néocolonialisme est très bien présent. Mais ce n'est pas moi que je le dis. La guerre contre la Libye, beaucoup d'auteurs bourgeois, beaucoup du quotidien, le Corriere della Sera, ont parlé d'entreprise néocoloniale. Alors, la lutte contre le néocolonialisme est une question fondamentale. C'est-à-dire, cette troisième forme de lutte de classe est très bien présente, mais bien sûr, les contenus sont devenus différents. La lutte de classe des femmes, bien sûr, il y a des pays où les femmes sont soumises à un esclavage domestique ou à une ségrégation domestique. Alors, même cette seconde forme de lutte de classe doit être présente. Et pour ce qui concerne le prolétariat avait obtenu l'édification de l'État social, mais maintenant nous savons que cette édification de l'État social commence à être détruit. Dans ce cas, j'aime citer souvent Hayek, c'est-à-dire le patriarche du néolibéralisme. Déjà dans les années 70, il a dit que les soi-disant, c'est son langage,
droits économiques et sociaux dont parle la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, ces droits économiques et sociaux sont droits imaginaires inventés, je cite Hayek, d'une façon ruineuse par la révolution marxiste russe, entre guillemets. Peut-être que Hayek a raison, c'est-à-dire le jugement de valeur dans ce cas est différent. Oui, ça a été le mouvement communiste qui a contribué beaucoup à l'édification de l'État social. Et maintenant, avec la disparition du défi communiste, il y a même le démantèlement de l'État social. Alors, il y a, je dis qu'il y a ces trois formes de lutte de classe sont toujours présentes. Bien sûr, les manifestations sont tout à fait différentes parce que l'histoire n'est pas la répétition éternelle de l'identique. Une chose encore pour dire comme je polémique beaucoup contre le populisme et je vais le dire, je polémique contre Simone Veil, que je trouve est une philosophe, bien sûr, remarquable, très intéressante, mais qui est l'expression même du populisme. Elle dit, dans un certain texte que je cite, je l'ai cité beaucoup, elle pense à la révolution comme l'unification des soldats de tout le monde contre les états-majors de tout le monde, contre les officiers et les généraux de tout le monde. C'est-à-dire, elle ne veut pas comprendre la complexité de la lutte de classe. Elle pense que la lutte de classe est seulement la lutte des pauvres contre les riches, des humbles. Des humbles contre les superbes. C'est une vision peut-être chrétienne, mais ce n'est pas la vision marxienne et marxiste de la lutte de classe. Alors, un des objets, des arguments de ce livre est la distinction entre marxisme et populisme. Je dis d'ailleurs que Marx n'a pas toujours critiqué le populisme d'une façon systématique comme le fait dans certaines occasions, mais pas toujours. Alors, peut-être, et même une considération critique sur Marx lui-même. Une question. Vous avez dit tout à l'heure que dans la dimension de l'appartenance à une classe, il y avait un côté ou un aspect, un moment objectif, en rapport avec les conditions de vie économique, et il y avait également un aspect, un moment subjectif, la conscience de classe. Dans la mesure où vous tendez à faire de la lutte des classes, la classe, une détermination principale ou même principielle dont les manifestations sont multiples, aussi politiques, j'aimerais savoir si ça ne vous amène pas, c'est une question, à considérer que finalement l'aspect subjectif est englobant et que l'aspect objectif vient s'insérer en lui. Est-ce que la conscience de classe est plus importante que la situation objective de l'appartenance à une classe ? Peut-être ma position est encore différente. Je voudrais éviter ça. Je voudrais éviter ce choix dangereux. Est-ce que vous pouvez l'éviter? Si je cite. Parce que si je me coupe, c'est important de savoir quel est au fond l'élément moteur de l'histoire. Est-ce que c'est
Mais il est dialectique. Dans le sujet. Ce n'est pas le prolétariat. Ah. Ça va vous surprendre. Non, non, pas ça, du tout. Non, mais je voulais vous le faire dire. Pas pour moi, mais pour vous. Non. Est-ce que vous ne... Est-ce qu'un marxiste traditionnel ne vous suspecterait pas d'idéalisme? Oui, peut-être, peut-être, mais je ne suis pas préoccupé. Mais je ne suis pas un marxiste traditionnel. Mais je voudrais citer le deuxième congrès de l'international communiste, qui peut-être n'était pas idéaliste. Alors, vous savez, Marx termine son œuvre, le manifeste du Parti communiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et c'est même la conclusion de la première internationale, du texte fondatif de la première internationale, du texte de Marx. Qui a fait Lénine avec le deuxième congrès de l'international communiste, 1920? Lénine a changé ce mot d'ordre, cette parole, et a écrit, c'était la nouvelle parole, le nouveau mot d'ordre, prolétaire de tous les pays et peuple opprimé, unissez-vous. Il a ajouté peuple opprimé, c'est-à-dire les sujets révolutionnaires pour Lénine n'étaient pas seulement le prolétariat, l'autre sujet révolutionnaire fondamental était le peuple opprimé. Et je crois que Lénine avait raison. Mais ce n'est pas seulement Lénine. Bien sûr, vous avez raison, il y a des marxistes. Si nous prenons Gramsci, je n'ai jamais parlé jusqu'à ce moment de Gramsci, bien sûr, dans le livre on parle beaucoup de Gramsci. Gramsci dit que le sujet de la révolution est toujours un bloc historique. Quelquefois, il dit même un bloc logique historique. Le bloc historique, dans une situation différente, s'organise d'une façon différente. Et bien sûr, la question intellectuelle joue un rôle important. Mais dans mon livre, je cite même beaucoup avec beaucoup d'attention Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a fait une chose remarquable, je crois qu'il était même un théoricien important. Lorsqu'il a commencé les réformes qui ont provoqué le développement miraculeux de la Chine d'aujourd'hui, il dit de cette façon, nous avons la bourgeoisie, bien sûr, nous avons des éléments bourgeois, mais d'abord la bourgeoisie n'a pas le pouvoir politique. Et d'ailleurs, la bourgeoisie, entraînée par le prolétariat et par la nation chinoise, même pris par le patriotisme dans la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, cette bourgeoisie, c'est Deng Xiaoping, est en soi, mais pas pour soi. De Hegel à Deng Xiaoping. C'est ça, même ma philosophie. Ouais. Donc, vive les classes moyennes. Bien sûr, les classes moyennes jouent un rôle important. Mais les classes moyennes, dans la mesure dans laquelle deviennent les intellectuels du mouvement révolutionnaire. Ouais. Cette relativisation du prolétariat que vous avez proclamée, cette relativisation du prolétariat est-elle liée à sa diminution quantitative? Et ça pose le problème de savoir comment définir la condition de prolétaire. Est-ce qu'il y a des prolétaires encore? Non, dans ce cas, je peux dire je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la diminution quantitative, je ne sais pas si est correcte cette... bien sûr, nous devons faire l'analyse de classe. Dans chaque période historique,
la première chose que doit faire un projet révolutionnaire, c'est faire l'analyse des classes, l'analyse concrète des classes. Je ne sais pas si le prolétariat a connu une diminution quantitative. L'industrialisation de la Chine, l'industrialisation de l'Inde, l'industrialisation du troisième monde, c'est bien sûr un développement du prolétariat, pas une diminution quantitative, c'est même une augmentation quantitative du prolétariat. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que des couches qui étaient moyennes dans le passé, beaucoup de monde, même des grands intellectuels bourgeois, parlent d'une polarisation sociale aiguë. Les classes moyennes sont en train de disparaître dans les États-Unis, dans le sens qu'il y a l'1% de la population qui est riche devient toujours plus riche, et la classe moyenne est toujours plus réduite parce que il y a cette polarisation sociale croissante. Non, je pense que c'est les textes dans lesquels Marx parle du prolétariat comme le seul sujet révolutionnaire sont surtout les textes de la jeunesse. Les textes de la jeunesse, pas seulement, je ne dis pas que sont seulement les textes de la jeunesse, mais sont surtout les textes de la jeunesse. Lorsque Marx fait l'analyse concrète de la situation concrète, il ne dit jamais que en Irlande, pour faire un exemple, seulement le prolétariat va faire la révolution. Il dit exactement le contraire. Il dit que c'est la nation irlandaise qui va faire la révolution avec le rôle dirigeant du prolétariat. Et il ajoute même une autre chose. Malheureusement, c'est une déclaration que nous trouvons chez Marx et chez Engels. Malheureusement, souvent, les ouvriers anglais parlent des Irlandais comme les blancs pauvres des États-Unis parlent des nègres, des niggers. Niggers, c'est-à-dire, c'est le terme péjoratif le plus terrible. Alors, c'est-à-dire, Marx a posé le problème, bien sûr, dans ce cas, de la conscience de classe. Cette conscience de classe ne se développe pas d'une façon automatique, c'est-à-dire l'industrialisation. On a cette impression si on lit le manifeste, vous avez raison. Mais de l'autre côté, il y a des contre-mouvements qui empêchent ou qui sont d'obstacles au passage de classe en soi à classe pour soi. Et nous devons voir les deux aspects. Est-ce que la situation actuelle du monde est une situation pour vous révolutionnaire ? Maintenant. Qu'est-ce que c'est une situation révolutionnaire ? Je répondrai de cette façon. Habermas a écrit que la lutte de classe était dépassée parce qu'il y avait l'État social. Maintenant, l'État social est démantelé. L'État social qui était la conquête de la lutte de classe révolutionnaire est maintenant démantelé par la lutte de classe réactionnaire de la bourgeoisie. Mais nous devons voir un autre aspect. Il y a les guerres néocoloniales et aujourd'hui beaucoup de monde, beaucoup d'intellectuels bourgeois parlent du danger d'une nouvelle guerre sur une échelle large, très large, même d'une nouvelle guerre mondiale. C'est-à-dire il y a des contradictions très aiguës. Les révolutionnaires ne sont pas ceux qui disent « bien, alors
nous allons avoir la situation révolutionnaire. Non, les révolutionnaires sont ceux qui combattent déjà maintenant contre les dangers les plus terribles. Et dans ce cas, un danger terrible est le danger d'une guerre générale, même d'une guerre mondiale. Et même la lutte contre la guerre est une lutte de classe contre la bourgeoisie impérialiste. Vous évoquiez la question de l'actualité, de la fin de l'histoire, etc. Est-ce que le phénomène grandissant, objectivement ou subjectivement définissable ou défini, de la présence de plus en plus, pour certains, inquiétante, de la nature, de la relation de l'homme à la nature, dans la relation de l'homme avec les hommes, dans les relations proprement historiques, est-ce que ce phénomène de l'introduction accentuée de la nature dans le rapport des hommes entre eux peut modifier, selon vous, enfin, le cours de l'histoire? Est-ce que voyons, on peut considérer que l'homme a d'abord été, d'abord essayé de s'installer humainement dans une nature qui était difficile, etc., rigoureuse, hostile. Il y avait des catastrophes naturelles, il y a eu des grandes catastrophes naturelles, elles se sont peu à peu apaisées. Alors a pu entrer en jeu l'époque des crises, et non plus des catastrophes, des crises concernant les rapports des hommes entre eux. C'est ce qui a fait l'essentiel de l'histoire universelle. Est-ce que on entre dans une nouvelle période dans laquelle l'histoire devrait être repensée, une période dans laquelle la nature redeviendrait un acteur de l'histoire, dans laquelle le rapport des hommes à la nature modifierait profondément le rapport un acteur des hommes subjectif. Entre eux. Pardon ? Mais subjectivement, dans un rapport subjectif. Oui, c'est le rapport subjectif que vous évoquez. Il faut le préciser. J'ai bien dit. De même que quand vous avez dit, il y en a que ça inquiète, ça vous inquiète sûrement vous, ça m'inquiète moi aussi. Oui. Mais comme vous savez, on a massivement l'écologisme, voire le sociétalo-écologisme qui nous accable. J'ai bien dit tout à l'heure. Et donc nous sommes inquiets, mais nous sommes minoritaires et inquiets. Objectif et subjectif. Oui. Examiner ce rôle grandissant de la nature et dans les représentations et dans la subjectivité, bien entendu, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui concerne les catastrophes naturelles, maintenant je dois dire, j'étais préoccupé en Italie par les tremblements de terre. Ah ben oui, oui. C'est-à-dire, les tremblements de terre c'était, ne sont pas... C'était pas très loin chez vous. Non, c'était pas... Rien du tout. J'ai eu des nuits pas tranquille. Ah oui. Mais alors, il y a un chapitre dans mon livre où on parle. Marx et Engels ont été les premiers qui ont posé la question écologique. Sur ça, il n'y a pas de doute. Il y a des textes admirables de Marx et d'Engels sur la question. Écologique. Mais c'est toute la philosophie de Marx. Par exemple, vous avez cité la critique du programme de Goethe. Oui. La première critique que Marx fait au programme de Goethe du Parti Socialiste allemand, le Parti Socialiste allemand disait « Le travail est la seule source de la richesse humaine ». Et Marx dit, non, ce n'est pas vrai. Le travail n'est pas la seule source parce qu'il y a même la nature. Alors, et je fais même une comparaison entre Marx et les philosophes libéraux contemporains. Vous savez que je n'aime pas trop les libéraux. Alors, j'ai fait une comparaison, par exemple, entre Spencer et Marx. Spencer fait de l'ironie. Ah, maintenant, parce que
contre les industries qui étaient contre la pollution industrielle. Il y a le texte admirable de Engels, c'est-à-dire la condition de la classe ouvrière en Angleterre. La condition de la classe ouvrière en Angleterre, c'est la première description de la catastrophe écologique produite par le capitalisme. Quelle est la position de Spencer? Spencer dit, maintenant on veut intervenir pour sauver la santé naturelle. Peut-être plus tard on voudra l'intervention de l'État pour sauver la santé spirituelle. C'est l'autoritarisme, etc. C'est-à-dire, c'est ça la position. Je ne crois pas. Je précise peut-être pour ceux qui ne savent pas forcément que Spencer, c'est l'auteur du détournement de la pensée Darwin, contemporain Darwin, l'auteur du darwinisme social. Ouais. Voilà, à toutes fins utiles. Je crois bien sûr que la lutte contre la pollution a été déjà au temps de Engels, la lutte contre, par exemple, la pollution industrielle. Et Engels fait cette considération que je trouve remarquable. Que la bourgeoisie ne se préoccupe, n'a pas de préoccupation lorsque la victime de la pollution est le prolétariat, mais après la pollution est dans la ville tout entière, et c'est seulement à ce moment que la bourgeoisie a des préoccupations, quelques des préoccupations. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous devons donner une attention bien plus importante, bien plus décisive à la question de l'écologie, à la question de la nature, mais mon opinion est que les trois formes de la lutte de classe, par exemple, si nous parlons du rapport entre métropole capitaliste impérialiste d'un côté et troisième monde de l'autre, tout le monde sait que souvent les pays les plus développés vont dans la troisième monde pour per gettare i rifiuti, pour les déchets les plus dangereux. Comme des potoirs. Oui. C'est-à-dire, alors, c'est bien sûr une question écologique, mais nous pouvons voir dans cette question écologique les différentes formes de la lutte de classe. Bien, comme le temps a filé, on va laisser, il y a peut-être des questions. Tu voulais en poser une, oui. Nicole. Je suis complètement d'accord avec vous, la lutte des classes continue à exister, l'exploitation est plus forte que jamais, des classes savorieuses. Par contre, la forme des luttes a certainement beaucoup changé. Quand on voit qu'un mec de la CGT qui a arraché une chemise, il se fait mettre en procès, on se dit qu'il y a quand même un abord très différent. Mais vous avez cité quelque chose à la fin d'extrêmement intéressant. Moi, j'ai entendu Bernard Thibault, ancien dirigeant de la CGT, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La troisième guerre mondiale et sociale ». Et c'est un peu ce que vous avez dit à la fin. Il y a une nouvelle troisième guerre qui se profile à l'horizon. Alors, il n'est plus dans la CGT, il fait partie d'un truc qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, je pense. Oui, bon. Et c'est... Il a un peu disparu des radars, mais à juste titre, on va dire, Thibault. Oui, non, mais je ne veux pas lancer une polémique sur Thibault, mais bon, je te laisse finir ta question. Oui, bon, il fait partie, il a écrit un bouquin qui donne quand même une image actuelle. Il ne représente plus que lui-même, c'est ce que je veux dire. Mais non, l'organisation... Non, ça ne représente rien. Ça. Bon, bref, la question. La question, c'est que ça rejoint ce que dit monsieur. Il dit quand même qu'il y a plus de la moitié des gens, alors de façon mondiale, qui n'est pas organisé, salarié, etc. Il y a quand même aussi un manque de représentation des classes les plus exploitées. Et il ne représente que peut-être que lui-même.
vrai, mais il ne dit pas que des conneries. Oui, non, mais je veux dire, là, ce n'est pas une question. C'est pour approuver, en réalité, oui. Le fait que... Il y a une, mais est-ce qu'il y aurait une question, à éclaircir dans ce qui a été dit, monsieur? Merci. Bonjour, je vois comme du petit lait ce que vous racontez, parce que ça fait vraiment plaisir de voir l'optique que vous avez. Je n'ai pas lu votre bouquin, mais je vais le lire avec plaisir. Est-ce que vous ne pensez pas, pour aller dans votre sens, que la globalisation du capitalisme, l'organisation en oligarchie, et en particulier euro-atlantique, provoque d'ailleurs des contradictions avec d'autres parties d'organisation, je pense à l'Eurasie, ne donne pas encore plus quitus à ce dont vous parlez, c'est-à-dire que les luttes pour la défense de la nation qu'ils veulent détruire et la lutte contre la bourgeoisie et contre l'oligarchie devient de plus en plus la même chose. Autre façon de dire la question que je vous pose, ne pensez-vous pas qu'il y a une contradiction principale au sens de Mao Zedong entre justement la lutte contre l'oligarchie, donc l'impérialisme, qui surdétermine y compris les luttes sociales. Puisque la suppression de la nation, la suppression des avantages sociaux et la domination de l'oligarchie, l'oligarchie Bayer achète Monsanto, hein, l'oligarchie euro-atlantique, au bout d'un moment c'est la même chose. Et les dangers de guerre, la lutte contre la guerre, c'est aussi la même chose. Et n'y a-t-il pas, c'est ma première question, ma deuxième question associée, n'y a-t-il pas une maladie infantile de de tous les éléments de gauche, d'extrême gauche. Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Voilà, mais là, c'est une maladie infantile d'une dégénérescence du combat pour l'émancipation, qui se résume, je crois que vous en parlez dans votre bouquin, à ce que dit Tony Negri et Michael Hart. C'est en gros, il y aurait une multitude à un niveau mondial et on ne voit plus autre chose. Il y a même certains philosophes. Enfin, ça, c'est la thèse gauchiste. C'est la thèse gauchiste. C'est pas la vôtre, hein, non, je précise, parce qu'on pourrait... Et justement, c'est une maladie infantile et une méconnaissance absolue, et on le voit dans tous les groupements, y compris de gauche, y compris d'extrême-gauche, pardon, des contradictions qui se passent. Par exemple, peu de gens disent, on fait le Frexit, on sort de l'Union Européenne, on sort donc de l'euro, et on sort de l'OTAN, article 50, article 13. Bon. Et dernier point, ne pensez-vous pas que justement... La diminution de ce qu'on appelait, injustement, mal nommé, pardon, les classes moyennes, fait que le prolétariat, au sens strict du terme, on est prolétaire quand on ne possède pas une propriété lucrative des moyens de production, est en fait dominant. Et que ce n'est pas simplement l'industrialisation au sens un peu 20e siècle, mais un ingénieur informaticien qui n'a pas de propriété lucrative est un prolétaire, même s'il est mieux payé, comme étaient mieux payés les ouvriers de l'imprimerie. C'est ce que Kluskar appelle les couches moyennes. Pour ce qui concerne Hart et Negri, je polémique beaucoup contre eux, pas seulement dans ce livre, peut-être. Dans leur livre qui a connu un succès international, ils parlent qu'avec l'avènement de l'Empire, il y a, c'est une citation, la paix perpétuelle et universelle, c'est la citation. Ils sont les apologètes du capitalisme et même de l'impérialisme. Mais je ne vais pas ajouter beaucoup, beaucoup de choses. J'ai parlé de ces trois formes de lutte de classe. Cette maladie enfantine, bien sûr, on parlait déjà Lénine, mais s'est manifesté déjà en occasion de l'avènement du fascisme et de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, dans ce livre, je cite Mao Zedong qui, dans les années 38, disait qu'il y avait l'identité de lutte de classe et lutte nationale. Bien sûr, les trotskistes n'étaient pas d'accord, et pas seulement les trotskistes déclarés. Alors, mais de l'autre côté, je voudrais dire que je parlerai encore aujourd'hui de ces trois formes de lutte de classe. Bien sûr, par exemple, dans un pays colonial ou menacé par le néocolonialisme,
Alors, peut-être votre formule va bien, c'est-à-dire que la lutte nationale surdétermine même l'autre lutte, mais dans un pays comme les États-Unis, ce n'est pas la lutte pour la défense nationale. Dans les États-Unis, le bloc révolutionnaire doit lutter contre l'oligarchie et même contre le déclenchement des guerres néocoloniales et peut-être plus tard de grande échelle. Alors, on parlait d'abord de Thibault, je ne connais pas la CGT, je connais mieux la CGIL en Italie, et je suis membre de la CGIL, mais j'étais scandalisé terriblement dans l'année 2011, c'est-à-dire en occasion de la guerre contre la Libye. Il y avait le président, le premier ministre était dans cette période, était Berlusconi. Et Berlusconi, même pour ses intérêts personnels, bien sûr, hésitait à intervenir dans la guerre contre la Libye. Et dans cette occasion, Susanna Camusso était, et est maintenant encore, le secrétaire général de la CGIL, a critiqué Berlusconi parce qu'il hésitait à intervenir dans la guerre. Et elle a dit, on doit intervenir dans cette guerre parce que c'est une guerre contre le génocide. Le génocide. C'est ça que j'appelle la gauche impériale. C'est la gauche impériale. Et contre Susanna Camusso, j'aime citer le philosophe français Todorov, qui a écrit, je le cite souvent, « Sous le prétexte de protéger 300 habitants de la Libye menacés par Gaddafi, l'OTAN a provoqué 30 000 morts. » Mais Susanna Camusso n'a pas intention de lire ce texte de Todorov. Bien, c'est peut-être une conclusion. Je voulais juste ajouter quand même un petit point. Oui. Il y avait une autre question, pardon. J'aimerais faire juste ouais, vas-y, pardon. Pas une question. Oui. Non, après toi, si tu veux bien. Non, vas-y. Vas-y. Ok. Je suis venu par hasard, donc pas par hasard. J'ai commencé par regarder les annexes de votre bibliographie et je trouve. Pour vous en féliciter, la citation, là, je l'ai partout, partout. On ne vous entend pas bien. D'un écrivain qui s'appelle Luxou, que j'aime énormément. Donc, on peut en reparler plusieurs fois. Je l'aime aussi. C'est quelqu'un d'absolument fondamental pour moi. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Cet auteur chinois, Luxou. Je suis de la côte des esclaves, devenu Dahomey, devenu, etc. Mais Luxou, et Diderot et d'autres personnes sont pour moi fondateurs politiquement de certaines choses. Bon, bref. Donc je suis content de voir que vous citez ça. Je ne voulais pas poser des questions, mais je vais faire deux remarques. Je suis content que vous dites la gauche impériale et que vous citiez un peu en parallèle. On a eu la même chose en France. Par rapport à des gens qui citent l'écologisme, gna 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 et tout ça. Je suis aussi d'un pays où la mafia italienne a failli ou a voulu déverser les déchets nucléaires. Donc, qu'on me parle d'écologisme et tout ça, dès dans nos dates. Nous, on le sait par nature. Et deuxièmement, nous sommes un des rares pays, enfin, des gens, y compris des médecins, à nous opposer aujourd'hui à l'extension des OGM et de Monsanto au Bénin, malgré qu'on a été pris en main par la Banque mondiale et tout ça. Donc quand on me parle d'écologisme, etc. et tout ça, là, les gens ne vivent pas dedans. Ça, donc je vous remercie pour ça, et je vous remercie pour le fait, je ne le savais même pas, quand vous aviez dit, rajouter par rapport à la question de monsieur, parce que j'étais un peu, je viens aussi de l'école de jésuites, le collège Perroquier, je suis désolé, par rapport à ça. Comment dire ça?
l'usage du « le » et de la, de l'impératif, l'humanité, les hommes, et trucs comme ça, la nuance dedans me fait problème. Et bizarrement, je l'ai appris, cette dissidence, je l'ai même appris de certains prêtres et de certains catholiques, comme Raphaël Correa, qui tout le temps dit, tiens, lui, il cite son, souvent son ministre, il dit, lui, c'est un athée, moi je suis, je vais encore à la messe. Donc, les hommes ont dit que le et tout ça, c'est vous qui avez dit ça. Sorry for that. Faut avoir juste l'humilité de dire que l'universel, c'est pas l'emploi du le et du la. Quand on parle de tout, et en parlant de la CGT encore, la fois dernière, il y avait un historien qui nous faisait un historique de l'évolution du droit social et comment ça a été poussé par la CGT. Et il disait ça, je lui dis, mais monsieur, vous oubliez juste une chose par rapport aux dates que vous dites. Vous oubliez le confort et l'inconfort de l'empire colonial qui a permis ça. Et deuxièmement, je suis à côté d'États où Areva a encore des bases et d'extraction d'uranium avec les bases françaises. Et la CGT défend toujours l'emploi dans les trucs d'uranium. Ce n'est pas de l'écologisme. C'est pas de l'écologisme. D'accord. Je ne pose pas de questions. Oui, moi je voulais, à moins qu'il y ait une autre question. Oui, madame. Moi, pas de film, s'il vous plaît. Ah. Question sur Bentham, vous avez dit que c'était un libéral de gauche. Si vous pouvez expliquer, je veux bien. Ce n'est pas ma définition. Le Bentham est considéré un philosophe radical. Bentham, je crois qu'il a exprimé les aspects les plus durs du libéralisme. J'écris même un livre qui s'appelle « Contre-histoire du libéralisme » et dans ce livre « Contre-histoire du libéralisme », la figure de Bentham est très présente, mais présente d'une façon négatif. Alors, lorsque je disais est de gauche, est considéré de gauche. John Stuart Mill, nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle, est considéré un libéral de gauche. Était par exemple l'auteur de référence de Norberto Bobbio. Mais John Stuart Mill a célébré par exemple les guerres de l'opium comme des guerres pour la liberté. Il a parlé du despotisme nécessaire pour les races qui sont encore minères et qui n'ont pas raggiunto l'età maggiorità. Attends. Oui, qui n'ont pas achevé la majorité. Alors, c'est une chose pour ce qui concerne l'écologisme. J'ai apprécié beaucoup, bien sûr, votre intervention, mais je me permets de donner un conseil. C'est-à-dire, la conclusion que je tirerai n'est pas que nous devons sous-estimer la question écologique, mais que nous devons dire que ceux qui utilisent le troisième monde pour les déchets nucléaires et pour les déchets en général sont les derniers qui peuvent parler de la question écologique. Ce sont même dans ce cas les peuples opprimés et qui sont opprimés même sur le plan écologique. C'est une question très importante, même pour ce qui concerne l'Italie. Les entreprises capitalistes du Nord utilisent le Sud pour les déchets, pas pour les déchets nucléaires, mais pour les déchets dangereux. C'est-à-dire, nous pouvons voir cette connexion entre questions écologiques et même les questions sociales générales. Et du capitalisme, je vous donne cet exemple. La Bolivie détient 45% du lithium. D'accord ? Monsieur Bolloré, qui a racheté 20 ports, dont le port, j'habite en bas du port de Cotonou, qui a racheté 20 ports, qui rachète des terres en Afrique, etc.,
pour ces histoires de batterie électrique à la con, est parti en Bolivie. Il a vu, il s'est dit, bon, je viens chez Bongo, tout ça. On lui a dit, écoutez, la porte de sortie, c'est par là. On lui a dit, la porte de sortie, c'est par là. Il ne peut pas prendre du tout, tirer le lithium pour faire ces batteries électriques ici. Et deuxièmement, on lui a posé des questions. Ça ne sera pas fait parce que ce sont nos peuples qui vivent là-bas et les retombées seront pour eux. Et il n'y aura pas de déchets écologiques comme on l'a fait avec Texaco en Équateur. Mais c'est parce que ce que Bolloré fait au Cameroun, ni chez moi, ni rien. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est lié. La propriété lucrative, ce n'est pas qu'une propriété. Un problème d'écologie. Mais la propriété lucrative et en finir avec cette vision du capitalisme est inclus dedans. Quoi. C'est très important. On doit écrire quelque chose. Capitalisme, impérialisme et écologie. Voilà. Et qui permettra d'enlever beaucoup de malentendus, y compris sur le thème qu'a évoqué Bernard Bourgeois et où j'ai plus soyé, qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'a évoqué William à l'instant. Mais donc je crois qu'il y a beaucoup de confusion sur ce point-là. Donc le livre sera bienvenu pour le clarifier. Je voulais juste évoquer le fait que, donc dans un précédent épisode, mais qui dont celui-ci est une parfaite continuation, on avait évoqué, et on était bien d'accord, je pense que nous sommes tous d'accord, en réalité ce thème léniniste du gauchisme, maladie infantile du capitalisme, c'est l'objection ou le constat que faisait Bernard Bourgeois en pur hegelien de la catégorie de l'interaction qui résumait tout, le sociétal par rapport au social. Et là, en réalité, je pense qu'il y a un point de convergence sur le sens de toute cette histoire entre les objections d'hegéliens de droite, entre guillemets, d'extrême droite, de Bernard Bourgeois, et ce que vous avez développé. Est-ce que vous avez le temps de nous proposer une petite conclusion sur ce thème avec le rapport avec les luttes des classes? La lutte des classes étant le retour au social, ou la prééminence du social sur le sociétal. Mais peut-être c'est à Bernard Bourgeois de... Non, mais j'aime bien le sociétal quand il est comme ce que nous sommes maintenant. J'aime bien la fête des voisins, mais ce que je trouve dangereux, c'est le sociétalisme, qui maintenant veut dissoudre la plupart des modes de relation entre les hommes, autres que la simple interaction. Je considère qu'il y a une relation entre les hommes qui implique la catégorie de totalité sous des aspects très divers, et je combats pour que on n'absorbe pas la totalité ou la totalisation ou la communauté, etc., dans l'interaction, dans l'action réciproque, qui est une catégorie paresseuse et qui est une catégorie, lorsqu'elle est absolutisée, qui peut, si vous voulez, dissoudre tout ce qui est autre que ce que promeut actuellement l'Internet, le virtuel, cette relation de quelqu'un avec chacun des autres hommes qui peuplent l'humanité, qui est une relation absolument fictive, une relation purement virtuelle, qui fait oublier les véritables relations, qui impliquent toujours d'une manière ou d'une autre l'insertion de l'homme dans des communautés véritables. Et des classes. C'est une communauté véritable, première classe. Mais je partage cette conclusion. J'aime le sociétal, mais pas le sociétalisme. Voilà. Donc, et nous sommes préoccupés d'écologie, mais nous ne sommes pas écologistes. Voilà. Merci à tous les deux, merci à tous.